Ces sons pas très agréables que vous entendez, ce sont des grues. Et elles ont décidé de faire un petit détour par l'aéroport de Tarbes. Un avion de la compagnie Volotea a dû attendre des heures avant de pouvoir décoller pour Paris-Orly à cause d'oiseaux migrateurs. C'est un événement aussi inattendu que spectaculaire. Le départ d'un avion de l'aéroport de Tarbes-Lourdes était prévu ce mercredi 23 octobre à 6h45, mais n'a pu avoir lieu que 3 heures plus tard. En cause, le passage d'une centaine de grues dans les airs. Sur ses réseaux sociaux, l'aéroport a fait état d'un phénomène exceptionnel de migration de grues et a partagé cette vidéo. Et avant leur intervention remarquée à l'aéroport, les grues ne sont pas passées inaperçues dans la région. On les a entendues sur Tarbes toute la nuit. Observer des grues dans le ciel à cette période est tout à fait normal dans le sud-ouest. Ces oiseaux migrateurs parcourent des milliers de kilomètres chaque année et quittent leur zone de reproduction pour rejoindre leur quartier d'hivernage, où ils passent la saison bien au chaud. Regardez l'étoile ! La nouveauté, c'est que cette année, l'aéroport se trouvait pile poil sur leur trajet. Jamais vu. Habituellement, les grues, on les voit juste passer. La nature s'impose à nos activités humaines. Quelque part, c'est beau.